Salut salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour un swatch de make-up avec une palette que j'avais très envie de tester, que j'ai depuis un certain temps et que j'ai pas pu tester parce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. C'est celle-ci, c'est la Birth of Paradise de Révolution et oh my god, elle est canon ici. Donc je sais pas du tout où je vais aller avec toutes ces couleurs. J'ai poudré mon arcade sourcilière avec mon fard Catrice comme d'habitude parce qu'il n'y a pas de fard chair, il y a un blanc ici mais il n'y a pas de chair. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque direct les mecs. Donc j'ai très envie de tester toutes les couleurs, les roses, les bleus, les mauves, les verts. Je sais pas du tout où aller. Les paillettes, je suis pas sûre. Alors j'avais envie d'un smoky mauve un peu pastel, celui-ci irait très bien, mais pour faire juste ça, utiliser juste à peine un fard, c'est un peu bête de tester la palette. J'avais très envie de tester le orange et le vert. Et le mauve. Le orange et le vert ici. Je sais pas, le turquoise ici au-dessus est magnifique, le rose, le mauve, le jaune, tout est beau. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Alors, je vais prendre un 231 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte Jungle. Donc, comme d'habitude, je vous mets la petite image pour vous montrer quel fard j'utilise. C'est beaucoup plus simple pour moi et plus clair pour vous. Donc, je vais commencer avec cette teinte-là. Alors, je vais le mettre en partie externe de ma paupière, tout simplement. Très beau, hein. Oh, il est très beau. Donc, si vous aimez les couleurs un peu flashouille, pour le printemps, cette palette est juste magique. Donc, j'estompe directement ici le bord et ici. Enfin, tous les bords, en fait. Hein. Ça s'estompe bien, en tout cas. Après, vous savez que ces palettes Forever Flawless, là, c'est vraiment mes préférées maintenant chez Révolution. Avant, c'était les Reload, là. Mais depuis qu'ils ont sorti les Forever Flawless, ouf. Donc ensuite, je prends un petit pinceau roule comme ça de chez Primark et je prends la teinte Cardinal, qui est un orange pétant de chez Pétant. Et je vais faire la même chose en coin interne que j'ai fait avec le vert. Donc là, bien sûr, ce sont des couleurs qui ne se dégradent absolument pas entre elles. Donc j'ai choisi de simplifier la vie, bien sûr, hein, comme d'hab. Enfin, qui ne se dégradent pas entre elles, ça se fait, hein, mais c'est assez compliqué. Alors, avec des pinceaux estompeurs, donc enfin, un peu plus estompeurs, pour commencer, je vais prendre le 217 de chez MAC et la teinte Budgie pour dégrader le vert. Ouh! J'aime beaucoup cette couleur. Ouh, elle est trop belle. Magnifique. Je prends un autre petit estompeur. Donc je vais prendre un autre Primark qui a cette forme-ci. Je prends la quinte. La Top and Play pour dégrader donc le orange. Qui est moins peps. Qu'est-ce qu'elle en a l'air en fait? Ah non, ça va. Faut juste en prendre un peu plus. J'ai déjà mis mon crayon en muqueuse supérieure et inférieure. Donc je prends un pinceau plat mais fluffy. Donc je prends la teinte Canary. Oui. Et là je vais le mettre au centre de ma paupière et également m'en servir pour dégrader le vert et l'orange ensemble. Parce que du coup le jaune se dégrade avec le vert et avec le orange. Donc ça fera une couleur de transition assez. Comment dire, qui va bien m'aider. Donc je suis pas sûre d'avoir pris le meilleur pinceau, je vais prendre un plus dense.
Donc toujours de chez Salanas. Ah oui, c'est mieux. Il m'a l'air un peu plus grumeleux que les autres. Il est moins uniforme, j'ai l'impression. Bon, c'est pas très grave, puisqu'après, on va mettre un autre fard par-dessus. Et du coup, je redégrade avec les pinceaux respectifs ce jaune, donc avec le vert foncé, avec le vert clair, avec le orange foncé. Voilà, je peux en remettre un peu. On a perdu en intensité. Et avec le orange clair. Je termine avec un pinceau estompeur propre et je prends un petit peu de la teinte blanche, la Coquetatou. Donc j'essaie de ne pas en prendre de trop. Et je fais tout le tour de mon dégradé. Donc maintenant je vais passer au ras de cils. Je prends un pinceau plat comme ceci et je commence avec le vert le plus foncé. Et on va refaire exactement la même chose. Avec un autre, je prends le orange le plus foncé, que je mets en coin interne. Vraiment magnifique ce orange. Et je mets un petit peu du jaune entre les deux. Et ensuite, bah, on dégrade avec les mêmes couleurs plus claires, le vert avec le vert clair, le orange avec l'orange clair, un petit peu le jaune, et on finit avec un peu de blanc. Alors, au centre de ma paupière, je prends un pinceau langue de chat et je vais prendre la teinte Fiesta. Alors, je ne sais pas du tout si elle se prélève au pinceau. Non, ça m'a l'air compliqué. Et on va le remettre au centre, mais je vais le faire au doigt. La texture est, on dirait de la pâte à manger. Donc, je le mets au centre. Ouh, c'est beau. Et bien sûr, on estompe les bords avec les pinceaux respectifs de la bonne couleur. C'est joli. Le jaune est hyper poudreux, hein, celui que j'ai au centre, c'est pour ça qu'il est un peu plus brumeux. C'est beau. Et en coin interne, alors est-ce que celui-là, il est lumineux? Bon, on va essayer. Je mets la teinte exotique. Donc je ne sais pas si ça va donner ce que je pense que ça va donner. Celui-là, pareil, je pense qu'il serait mieux au doigt. Bon, ça va, ça fonctionne. Celui-là est beau aussi, mais il n'ira pas par-dessus. Quoique, ça a l'air que des petites paillettes, donc je vais quand même essayer. Écoutez, je vais mettre le Hot Tropic. Donc ouais, c'est des micro-paillettes. Donc voilà pour les fards. Je trouve ça plutôt joli. Hein. Donc je vais mélanger deux teintes des Crystal Eyeshadow de chez Beauty Bay. La teinte Precious Topaz et Peach Quartz. Et je vais mettre en coin interne et un petit peu au centre de ma paupière. Donc je vais commencer par le Peach parce qu'il y a un peu moins de paillettes. Et je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre celui-ci de chez Mange qui est le contour brush 9. Donc j'en mets d'abord un petit peu en coin interne et un petit peu sur la paupière que je dégrade directement au pinceau. En tapotant, sinon ça va bouger votre fard. Et je fais la même chose avec le Precious Topaz qui est un peu plus doré. Ouais, finalement, je ne sais pas si ça apportait grand-chose. Donc, au doigt, je vais juste appliquer un petit peu du fard vert, donc le Fiesta. Oh, la texture, je vous jure, c'est trop bizarre. Pour ajouter un peu l'effet métallique vert et les légères paillettes vertes. Voilà pour ça. Donc, j'aurais peut-être pas dû mettre les cristaux à l'échelle. Donc, je fais mon trait de liner, je mets mon mascara, mon rouge à lèvres et je reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne. Qu'est-ce que je pense de cette petite chose là-bas? Voilà, les Forever Flawless, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 avec celle-ci. J'aime beaucoup les teintes. Après, je suis d'accord que tout le monde ne va pas aimer ce genre d'harmonie-là. Voilà, c'est vraiment très peps, très flash, très néon, franchement. Donc, à part le jaune qui est un peu plus poudreux et un peu plus grumeleux du coup sur la paupière, à tester en cut crease en remettant une bonne couche de base juste en dessous. Je pense que je me ferai très bientôt un make-up orange, rose et turquoise. Voilà, parce que les couleurs sont vraiment canons. Après, c'est sûr que cette partie-là, par exemple, ne va pas du tout avec cette partie-là, quoi. Voilà. C'est un peu mal organisé, parce que bon, ici, vous avez de nouveau un mauve. J'aurais préféré qu'il sépare la palette en deux, en fait, partie bleu, mauve, rose et orange, vert, jaune. Ça aurait été plus cohérent, mais ça aurait peut-être été un peu moins attrape-l'œil, du coup. Mais alors, ce turquoise, il faut vraiment le laisser, hein, parce qu'il est juste... Wow. Je viens de faire mon swatch n'importe comment, je viens de le foutre sur ma bague. Non mais là, voilà, très joli. Donc je pense que le prochain make-up que je ferai avec cette palette, ça sera turquoise, rose, mauve. Et bah, je vous ferai ça, je pense, en IGTV ou lors d'un chit-chat ou des choses comme ça. Mais après la semaine spéciale confinement, les vidéos de la semaine spéciale confinement, je vais essayer de faire au moins une fois par semaine un make-up sur IGTV. Donc je sais juste pas, dites-moi s'il y en a qui me suivent et qui font des IGTV make-up, si vous utilisez votre matériel que vous utilisez pour faire vos vidéos habituellement, ou si vous utilisez votre téléphone pour vous filmer, pour avoir plus facile. Moi je pense que je vais commencer en filmant avec mon appareil et en faisant le montage avec Final Cut Pro comme je fais pour mes vidéos, et seulement après les transférer sur mon téléphone pour les mettre sur IGTV. Parce que le montage sur l'iPhone avec iMovie, je sais pas si je vais gérer. Donc voilà. Parce que c'est un peu petit pour moi. Enfin bref, donc sur mes yeux, oui. Donc j'ai complètement foiré mon liner. Les deux ne sont absolument pas pareils et ils ne sont pas comme d'habitude. Voilà, il y a des jours comme ça où ça ne veut pas. J'ai utilisé le liquid ink comme d'habitude, mais je crois que j'arrive au bout. Et c'est peut-être ça qui pose problème. Sauf que j'en ai plus. Voilà, puisque celui que j'avais en backup, je vous l'ai mis pour le concours des 2000 abonnés. Je vous remets juste ici si vous ne l'avez pas vu. Je l'ai mis dans le concours, moi j'en ai plus, et sur le site Creutvat où moi je commande en principe mes produits essence ou que je vais acheter, ils sont en rupture totale des liners liquides essence. Après j'en attends un en stylo que j'ai commandé et un en stylo aussi d'une autre marque à tester, donc je pense que j'utiliserai ceux-là et quand on sera à la fin du confinement j'irai m'en racheter. Après vous vous en foutez je pense. Sur mes cils j'ai utilisé le combo que j'utilise en ce moment et que j'aime pas mal, alors ça ne détrône pas mon mascara chouchou, hein, on est d'accord, mais le combo des deux, alors seul je les aime pas trop, mais ensemble ils sont pas mal, donc je mets d'abord une couche du super héros, c'est ça, volume héros de essence, et j'en remets par dessus le blowout, donc qui est celui au cannabis de chez Révolution, pour vraiment bien étoffer les cils, celui-ci les sépare, les allonge un petit peu, les courbe, et les, il donne un peu de volume, mais pas des masses, hein. Celui-ci, il donne beaucoup de noir et de volume, mais il fait rien d'autre. Voilà. Et sur mes cils du bas, comme d'habitude, le Catrice. Et sur mes lèvres, j'ai mis mon combo que j'aime beaucoup. Quand je ne sais pas quoi porter et que j'ai pas envie de mat, je mets mon crayon chez NYX, le Nude, et le Sleep Tease en teinte First Date, si j'ai pas de bêtises. Oui, ça doit être ça, en gloss sur mes lèvres. Et c'est le seul gloss que j'aime, mais je l'aime, parce qu'il est magnifique et il colle pas. Après, ça tient pas, mais c'est très, très, très confortable. Voilà pour ça. Donc, dites-moi en commentaire si vous, vous avez craqué sur cette palette ou sur une autre, hein, des Forever Flawless, là, si vous les aimez autant que moi. Moi, c'est vraiment mes palettes préférées, en tout cas chez Révolution, quoi. Je recarte, hein, mais la Patricia White aussi, je l'aime beaucoup. En fait, j'aime toutes mes palettes Révolution, mais dans la collection complète, celle-ci, je les aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait tellement plaisir de voir que ce que je fais vous plaît. Merci aux nouvelles arrivantes. Je ne sais pas si vous êtes là uniquement pour le concours ou pas, ça je le verrai plus tard. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et également, n'oubliez pas d'aller participer au concours dans le, que je vous ai mis dans le petit i juste tout à l'heure. Merci à toutes les personnes qui pensent aller faire un petit tour sur mon Utip. C'est vraiment adorable de votre part de remplir mon petit panier de cacahuètes. Et voilà. Et je vous rappelle aussi que les 5 personnes qui auront le plus,
qui m'auront le plus soutenu sur Utip pendant la période du concours se verront attribuer chacun 5 chances supplémentaires de gagner, tout simplement. Donc voilà, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous dis bisous bisous.